Victoria nous a porté chance, puisqu'aujourd'hui, on attaque, je crois, la 25e heure d'Apocalypse. Moi, je voudrais vous avouer quelque chose. Je suis une enfant de la télé, mais je suis une ado d'Historia. Chez mes grands-parents, il y avait une grosse pile de magazines, Historia. Et mon bonheur, c'était de piocher. Et Historia arrivait toujours à m'intéresser à un sujet pour lequel j'avais eu aucun intérêt. Historia a été absolument fondamental. Et ça nous a d'un seul coup donné, écoutez, il faut bien le dire, une sorte de légitimité, une sorte de dignité historique. Mais c'était aussi le premier prix qu'on recevait, le Grand Prix du jury en 2010. C'était le premier prix Apocalypse. Oui, je crois aussi que ça a complètement... Alors, on en a eu beaucoup depuis, mais je veux dire, précisément, on les a eus à cause d'Historia, c'est-à-dire grâce à Historia. C'est-à-dire que, d'un seul coup, c'est ce qui représente le plus grand sérieux en matière d'histoire en France, je veux dire, c'est une merveille cette revue. Et c'était pour nous, d'un seul coup, pas une consécration, mais une ouverture de porte. On vous aime, bonne année, et continuez à faire de l'histoire ce grand livre d'aventure. Et bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire. Ce qu'on voudrait, c'est continuer longtemps avec vous, parce que vous êtes un véritable moment dans notre vie.